Le sommeil, c'est un peu la clé de voûte de la course au large, parce que si on néglige cette partie, en fait, on va très très vite être en dette de sommeil, avoir des problèmes de lucidité. Et qui dit problème de lucidité dit après une réflexion qui est faussée, et puis du coup des choix stratégiques, des décisions qui sont prises à l'envers. Ces sensations, en fait, je voulais corroborer avec un outil scientifique, avec des chiffres, ou voilà, avec quelque chose de tangible. Et donc j'ai fait appel à l'université pour essayer de m'apporter des réponses. Et en fait, quelques échanges avec des chercheurs, on a convenu d'une petite appli, en fait, très très simple d'utilisation, qui me permettait de juger un peu mon état de lucidité, mon état de forme. Je vais installer l'application du coup Lycéol sur le téléphone d'Armel. C'est une application qui va servir à faire un suivi du niveau de fatigue et de lucidité d'Armel au cours de sa course. Bah, du coup, c'est des questionnaires qu'il doit remplir quotidiennement, voire même plusieurs fois par jour. Et en fait, il va faire une auto-évaluation subjective donc de son niveau de fatigue et de lucidité. L'application lui donne un retour en fait en fin de remplissage de questionnaire. Et va lui donner en fait des alertes sur son niveau de fatigue. Ouais, je tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes du MIP, de Capacité et de l'université, l'ensemble des chercheurs et puis toutes les équipes qui ont vraiment répondu à ma demande avec beaucoup de précision, avec beaucoup de motivation. Et voilà, c'était chouette, il y a eu une belle collaboration et donc je suis très content de pouvoir porter ce projet à leur côté.